J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je vous accueille aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de Rise of the Ronin. J'espère que vous êtes prêts puisque les choses vont s'accélérer dans le jeu. En tout cas, je suis très content de vous accueillir pour ce nouvel épisode, l'avant-dernier, comme je vous le disais. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire avant de commencer l'épisode, ça aide beaucoup la chaîne. Et c'est parti. On est là ensemble les amis pour terminer l'aventure de notre Ronin, de notre samouraï sans nom, avec cette quête qui s'appelle la fin du shogunat. Alors l'histoire a vraiment pris un nouveau tournant que je n'attendais pas, puisque on est de nouveau contre le shogun, contre le shogunat. On a rallié une nouvelle fois à Katsura, nos anciens amis. On s'est battu contre eux et maintenant on est de nouveau avec eux. De l'autre côté, on a également notre lame jumelle qu'on a affronté encore une fois. Et on lui a clairement dit que on ne la suivrait pas dans ses complots. Donc maintenant, on fait un petit peu cavalier seul. Et je pense que de toute façon, l'affrontement final, on s'en doute un petit peu. Mais ça risque d'être assez épique. Alors vous voyez dans mon dos, incroyable épée. J'avais même pas vu en fait que j'avais des épées en fait. C'est pas des katanas, c'est pas non plus des épées, vous savez, assez longues japonaises. Ça, c'est vraiment des genres d'épées un peu occidentales, hein, clairement. Et en fait, je l'ai trouvée trop belle avec sa lame comme ça en zigzag. Elle est incroyable. Alors, les grandes épées, moi, ça me fait toujours penser soit à Guts dans Berserk, soit à Cloud dans FF7. C'est vraiment stylé. C'est d'ailleurs apparemment l'arme, qui fait le plus de dégâts. Et elle a deux postures, Mumio, comme ça, ou alors Oshin. Alors la posture Oshin est juste tellement stylée. Et Mumio. Donc ça s'appelle l'épée longue du serpent, effectivement, hein. Elle est en zigzag comme un serpent. Par contre, c'est pas mon épée longue la plus puissante. C'est celle-ci, elle s'appelle juste épée longue, et je pense par contre qu'elle est... Ah ouais d'accord, il la sort de son fourreau, ouais, elle est vraiment large, regardez-moi cette lame de fou. Ah c'est vraiment stylé. Il la met sur l'épaule comme ça, c'est vraiment trop classe. Allez, il va falloir parler de l'avenir avec Katsura. Je vous invite à liker une dernière fois cet épisode, mettre un commentaire pour soutenir la chaîne et vous abonner si c'est pas encore fait pour pas louper les prochains let's play. Katsura, où te caches-tu? Dans le jardin. Est-ce que Ryoma a pu partir sans incident? Désolé de ne pas avoir été présent pour les adieux. Bon, nous ne pouvons pas ignorer les événements de l'auberge Terada, mais nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé. Alors, on peut mentir, je l'ignore également. C'était le Shin Sengumi, aucun doute. Nous irons au bout de cette affaire, quoi qu'il en coûte. C'était le Shin Sengumi. Je n'ai aucun doute là-dessus que c'est le shogun. Kondo et Ijikata étaient absents de Kyoto au service du shogunat. Ils ne peuvent donc être suspects ni l'un ni l'autre. Si l'alliance Satsuma Choshu cherche le coupable trop ouvertement, nous ne récolterons que la colère du shogunat. Et c'est là que tu entres en jeu. Nous voulons que tu infiltres le Shin Sengumi et que tu découvres le coupable. Je m'en remets entièrement au jugement de Katsura. Madame Jumelle est peut-être impliquée, je m'en occupe. Je savais que tu approuverais cette idée. Tu sais te débrouiller et t'adapter à l'inattendu. Et comme tu as déjà fait partie des leurs, même pour peu de temps, tu ne soulèveras aucun soupçon. Peut-être que certains te connaissent déjà, mais je suis sûr qu'avec un déguisement, ils n'y verront que du feu. Je sais de quoi je parle. Viens au temple Nishiongan, une fois que tu seras prêt. Tu dois te préparer pour réussir l'initiation. Parlez à Katsura au temple Nishiongan. Thank you.
On arrive au temple. Comment vas-tu? Cet endroit sert d'avant-poste aux forces du Shinsengumi. Il a d'ores et déjà été transformé en site de recrutement. Grâce à nos liens avec les Satsuma, ils s'attendent à ce qu'un Ronin doué les rejoigne. J'ai réussi à te trouver un uniforme. Tu n'auras pas de mal à les tromper. Si tu ne découvres pas qui a mené l'attaque à l'auberge Terada, Ryoma ne pourra pas revenir sans courir de danger. Je sais que tu es à la hauteur. Les enjeux sont élevés, mais je compte sur toi. Je trouverai le responsable. Je n'en doute pas un instant. Saigo et moi prierons pour que la fortune te sourie. On a obtenu l'uniforme de faux soldat, effectivement, on reconnaît. Oh, j'aime bien le haut. La tenue du Shinsengumi pour passer inaperçu. Donc on va une nouvelle fois rejoindre leur rang. Ah, tu dois être la nouvelle recrue. J'ai beaucoup entendu parler de toi. On parle beaucoup de tes aptitudes au sabre. Mais les gens ont toujours tendance à exagérer. Alors je ne croirai que ce que je verrai. T'aurais pas déjà vu quelque part? Ah, voilà un regard impressionnant. J'attends énormément de toi. Mais j'ai vraiment l'impression de t'avoir déjà croisé. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est bien possible. Ça n'a aucune importance. Mais je ne me suis pas présenté. Shinpachi Nagakura. Et celui-là s'appelle Hajime Saito. Saito, fais visiter notre avant-poste à la nouvelle recrue, et fais-lui bien comprendre comment les choses fonctionnent. De ton côté, ne perds rien de ce que te dira Saito. C'est un grand combattant. Tu as tout à perdre à l'énerver. Lui, alors. Alors c'est toi le meilleur sabreur ici? Sûrement pas. Nagakura est bien meilleur que moi. Il joue juste avec ma patience, comme d'habitude. Les installations d'entraînement sont de ce côté. Allons-y. Les prémices d'une trahison. Montrez vos talents à Hajime Saito. Waouh, c'est vraiment beau. Hein. Shimabara, le temple de Nishihongan. Regardez tous les drapeaux du Shinsengumi. Là. Ce sont Suzuki et Todo. C'est à eux qu'il faut parler quand on s'intéresse aux armes à feu. Ah ouais, ils sont au taquet. Hein. Le temple, il est magnifique en tout cas. Hein. Avec cet arbre-là, il est sublime. C'est ici que nous nous entraînons. Une séance va commencer d'ailleurs. Tu n'as aucun avenir dans le Shinsengumi si tu ne sais pas utiliser un sabre. Il est temps que tu montres ce que tu sais faire. Mesure-toi à lui. Bien, j'ai hâte de te voir à l'avant. Ah, ok, je vais te montrer ce que je sais faire. Je vais changer de style. Mumio. Allez, tu peux sauter sur ton bâton, mon petit gars, ça changera rien. Et voilà. Je l'ai envoyé en l'air, votre gars là. C'était bien. Mais ma curiosité n'est pas satisfaite. Ça m'étonne pas. Maintenant, tu vas affronter celui-ci. Allez. Ne me déçois pas. Allez, viens. On change de style. Oh. Ok,
pas trop tôt. Oh. Ok, ok, j'avoue, j'avoue. Soin. Ça va, ils sont faibles quand même. Même si j'avoue, il m'a fait quelques coups quand même. Quel est ton verdict? Tu penses qu'il a ce qu'il faut? Sa technique est vraiment intéressante. Pas mal du tout. Ah! Venant de toi, ce n'est pas un faible compliment. Bon. Et si maintenant je lui offrais l'honneur de combattre son supérieur? Nagakura dépasse largement les camarades que tu viens d'affronter. Tu penses avoir tes chances? Clairement. Ne t'en fais pas, personne ne va mourir. Peut-être toi, on sait pas. Allez, go. Inutile de retenir tes coups. Allez, oh. Tout ce que tu as. Wow. Ok, t'avais dit que personne n'allait mourir. Oh, j'arrive pas à voir son tempo. Allez. Wow. Ah, elle est bizarre cette arme, quand même. Soin. Oh, oh. Aïe, oui, je me fais laver. Allez, je prends mon katana. Il est trop rapide, lui. Contre les autres, ça allait, mais là. Wouhou. Ça va beaucoup mieux quand même, hein. Oh, pas mal. Allez, viens. J'ai gagné. C'est bon. Tu es coriace. Tu crois quoi? Impressionnant. Battre Nagakura n'est pas un mince exploit. Très bien. Suis-moi. Allez. Là, ils vont commencer par avoir des doutes, hein, si je suis beaucoup trop fort. Il est incroyable cet arbre. Je veux visiter ce temple dans la vraie vie. Si l'arbre est toujours là, bien sûr. Waouh. Ah, c'est toi le nouveau. Tu veux bien venir ici un instant? Okita. On lui avait mis une sacrée raclée dans l'épisode précédent. Désolé de vous interrompre. En dépit des circonstances, je pense qu'il est temps que je me présente. Voici Soji Okita. Il nous surclasse au sabre, autant moi que Nagakura. Ah, tout ça, c'est du passé. Maintenant que je suis coincé au lit, je ne suis plus qu'un poids mort. Si tu veux t'améliorer, il est certain que Saito peut t'enseigner deux ou trois choses. Il n'a pas son pareil. Okita, je me rends au dojo. Envoie-moi la nouvelle recrue quand vous aurez fini de parler. Dis-moi, pourquoi veux-tu faire partie du Shinsengumi? On dit que la solde est bonne. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Si tu sais risquer ta vie, Kondo sera te récompenser généreusement. Saito t'attend, n'est-ce pas? Tu devrais y aller. Nous nous reparlerons plus tard. Lui, il est vraiment malade, il a une genre de maladie. Je sais pas si c'est le choléra ou quoi, mais... Déjà, quand on l'avait affronté, pendant l'affrontement, il toussait. Je pense qu'il était pas au meilleur de sa forme, mais c'est vrai qu'il était, il était quand même super fort. Elle est stylée, la tenue, quand même, du Shinsengumi.
Ah, une bannière là. Waouh. C'est stylé. Oh. Oh, ok. Oh. Direct comme ça. Oh. Oh, il m'a mis un coup de... Il m'a mis un coup de pompe. Je crois que je vais te laisser faire. Oh, les enchaînements qu'il fait. Soin, 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 soin. Oh. Soigne-toi. Il est rapide, hein. Il est incroyablement fort. Oh. Waouh. Je rêve. Allez. Je vois. C'est une vraie surprise. Il avait jamais affronté une lame secrète sur ça. Waouh. Allez. Ouais. Vous avez bien vu ça devant vos yeux, les gars. Ah, il était super fort, lui. Tu as du talent. C'est certain. Il n'y a pas grand monde ici qui pourrait l'emporter contre toi. On ne peut pas dire le contraire. Ça, tu pourrais tenir ton rang face à Kogoro Katsura ou Ryoma Sakamoto. Mais bon, je suis persuadé que tu connais déjà ces noms. Un petit peu. Alors, jamais entendu parler, utiliser mensonge, je peux affronter n'importe qui, intimidation. Ouais, je vais faire style. Jamais entendu parler. Ça par exemple. Une telle ignorance pourrait te coûter la vie. Intéresse-toi un peu à ce qui se passe dans le monde. Bon. Je pense que nous pouvons garder cette nouvelle recrue. Des objections ? Pas moi. Je veux te présenter à quelqu'un d'autre. Viens avec moi. En tout cas, l'endroit était super beau. Je voudrais te présenter un officier. Kashitaro Ito, un homme si brillant qu'il sait avec précision où va le monde et comment il y va. Suzuki, que je t'ai montré plus tôt, est le jeune frère d'Ito. C'est quelqu'un qu'il faut connaître aussi. Il dirige une de nos divisions. Bon, je vais te présenter, puis je parlerai avec lui en privé. Tu as le droit d'utiliser tous les moyens que tu veux pour écouter notre conversation. Compris ? Ah d'accord. Intéressant. Ito, je te présente une nouvelle recrue. Son talent au sabre vaut bien le mien ou celui de Nagakura. Eh bien, tu dois être remarquable pour avoir autant impressionné Saito. Je suis Kashitaro Ito, un des cadres du Shinsengumi. Le Shinsengumi est composé des meilleurs guerriers du Japon. À côté des troupes communes du Shogun, nous sommes comme des tigres face à des chats. L'avenir même de ce pays dépend directement de chacune de nos actions. Surtout, n'oublie jamais la puissance que nous représentons. C'est un peu les forces spéciales, quoi. Je m'en souviendrai. C'est préférable. Je t'en prie, mets ton sabre et ton bras au service de notre cause. Je place de grands espoirs en toi. D'ailleurs, Saito, j'aimerais m'entretenir avec toi. Ce sera tout. Tu peux disposer. Écoute notre conversation de l'extérieur et prends note de chaque parole. Compris ? Pourquoi on fait ça ?
trouver un autre moyen d'entrer. Ok. Alors, il doit y avoir un accès peut-être sur le toit. Peut-être ici. Là-haut. Quelque chose ne va pas, Saito ? Non, non. Je demandais juste au nouveau d'entraîner les hommes. Quelqu'un qui a de tels talents peut superviser certains exercices sans problème. Kondo et Ijikata sont absents. Et Okita est malade. C'est le moment. Personne ne nous empêchera de quitter le Shinsengumi. Mais sans nous, les ennemis du shogunat qui rôdent dans Kyoto risqueront de prendre de l'assurance. L'attaque contre Sakamoto à l'auberge Terada n'a ému ni le clan Satsuma, ni le clan Choshu. Nous n'avons rien à craindre. Nous nous réunissons à Aburanokoji. Précisément pour discuter de notre libération. J'espère t'y voir. C'est fini. Tu peux sortir de ta cachette. Mais c'est chaud en fait là. Tu as aussi des talents d'espion. Ito n'a sans doute rien remarqué. Tu as dû l'entendre, mais je tiens à le souligner. Ito est un traître. Je le surveille. Ce sont les ordres de Kondo. Quelles sont les forces anti-shogunat qui se cachent à Tokyo ? Que s'est-il passé à l'auberge Terada ? On connaît la réponse, hein. Ah, l'auberge Terada a été assiégée récemment, et Ryoma Sakamoto a subi l'assaut. Tu ne le savais pas ? Il est devenu un nom important au sein des forces anti-shogunat, ce qui a incité Ito à s'en prendre à lui, à l'auberge Terada. Ah, c'était Ito. Donc, on sait... On est venu là pour ça, hein, pour savoir qui a fomenté l'attaque contre Ryoma, contre l'auberge. Et donc maintenant on sait que c'est Ito. Le Shinsengumi pense aussi que Ryoma est un problème. Alors Ito a tout planifié lui-même ? En un mot, oui. D'après certains bruits qui courent, cela vient de nous. Mais ni Kondo ni Ijikata n'étaient impliqués. L'objectif réel d'Ito, c'était de salir la réputation du Shinsengumi. Et ce faisant, de déterminer les plans des forces anti-shogunat. Ce que nous avons appris, c'est qu'elles sont incapables d'une opération d'envergure pour le moment. Ito en a donc conclu que l'heure était venue pour lui de passer à l'action. Je vais débarrasser le Shinsengumi de la faction d'Ito. Je sais que tu viens de t'engager, mais je vais avoir besoin de toi. Retrouve-moi à Aburanokoji. C'est là que nous agirons. Hajime Saito. Nouveau lien. Les prémices d'une trahison. On est passé novice intermédiaire en Mugai. Avec l'épée. Et on est passé niveau 41. C'est trop beau ici, il y a trop de couleurs différentes et tout, j'aime trop. Je suis là. Tu es là. Attendons les hommes d'Ito pour commencer. C'est ta première mission officielle. As-tu quelque chose à demander ? Je n'ai pas de questions. Bien. J'économiserai ma salive.
Todo et ses partenaires sont passés maîtres dans l'art du sabre. Ce sera un combat acharné. Tu es sûr d'être prêt ? Je vais tout donner. Bien. Nous allons leur tendre une embuscade. Pour cette mission, on sera avec Hajime Saito. Il augmente les dégâts infligés aux ennemis paniqués. Et Kaishu Katsu, qui augmente encore plus les valeurs associées aux avantages des partenaires. Coopérer avec Hajime pour éradiquer la faction d'Ito. Niveau de la mission 38, on est bien au-delà, donc c'est parti. Ce sera fini en un rien de temps. Conflit à Abura no Koji. Alors, on va un petit peu combattre à l'épée, je pense. Ça peut être cool. Vite, cachons-nous. Oh. Oh oh, je me cache où. Ok. Attendez une embuscade. Ok. Ils arrivent, ça y est, je les vois. Allez, venez les petits, venez. Ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5 ? Ça va. Ils ne se doutent de rien. Mais le démon bleu va s'attaquer à eux dans quelques instants. Wow. Exactement comme Ito le redoutait. La violence. Il reste plus que Todo. Ne le prends pas personnellement, Todo. Putain, les 4 assassinats d'un coup là. J'étais pas prêt. Waouh, c'est beaucoup trop lent comme arme pour des combats comme ça. Allez, je passe en Okushinito. Oh, il fait mal, hein. Il m'a fait tomber. Allez, je vais te secourir. Je vais jouer un petit peu avec Kaichu. Ah ouais, c'est vrai que lui, il joue avec son... avec sa lame rengainée. C'est un ouf. Maître Kondo ne pense qu'à la gloire au combat. Avec Ito, nous pouvons lutter pour un monde libéré du conflit et des massacres. Ah, c'est stylé ses attaques aussi à lui là. C'est bien de jouer avec d'autres personnages aussi parce que il y a d'autres mouvements. Pas mal. Allez, c'est parti. Oh, le coup final. Ito n'est pas là. Nous devons le trouver. Fusil à baïonnette. Gantelet de samouraï. Oh, il y a mon ami qui est au sol. Kaichu, relève-toi. Je suis pas fier de moi. Ah, j'avoue, t'as abusé là. Bon, c'est un peu de ma faute. Suzuki est ici lui aussi. Il luttera sauvagement pour protéger son frère. Plutôt que de l'attaquer de front, nous devrions frapper depuis le toit. Ok. Oula, je vais me faire griller. On va l'assassiner par derrière. Un vrai talent naturel. Oh oui, je sais.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait par là? Ah, c'était le passage, ok. Alors, vous êtes venu. Mais vous ne porterez pas la main sur mon frère. Suzuki. Allez, prends-toi ça. Oh! Flambé de ki, c'est parti. Pas mal, mais ça suffira pas. Clé de la cour intérieure. Et oui, tu as échoué. Mais une âme jumelle est bien trop forte. On a utilisé la clé pour ouvrir la porte. On va lever la bannière, ça va nous permettre de récupérer nos petits soins. Hop là. Quelle fluidité. Oh oui. Oula oula oula. Oh non. Comment ça ils m'ont grillé? C'est mon nom. C'est abusé. Bon, pendant que mes potes se battent, moi je vais looter du coffre. Épée longue de dignitaire. Oh, on est passé 42. Oh, le bras. Boum. Ouais, j'ai changé pour le fusil aussi. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas utilisé. Franchement, ça fait plaisir. On peut aller à l'étage, non. Hop, on lève la bannière. Je vois qu'on a un marchand ici. Prenez votre temps, rien ne presse. Bien. On a trouvé une nouvelle épée, plus 52, c'est beaucoup. Nouveau revolver, revolver de Luan. Ah, il est beau, hein. Magnifique. En fusil, on a un nouveau fusil, le fusil de garde de consul. En armure, je crois qu'on est à fond de balles. Voilà. Par contre, je crois qu'on a quelques points de compétence à mettre. Augmente le dégât de ki maximum infligé aux ennemis proches après avoir paré une attaque ennemie avec un contre-éclair. Il va manquer un petit peu de points de force, malheureusement. On pourrait peut-être mettre ça. Non, ça va pas être assez. C'est des points de force aussi qu'il faut. Permet de faire des contre-éclairs à main nue. Allez. J'ai jamais utilisé vraiment la main nue pour l'instant, mais bon. Réduire la consommation de ki en étant en garde. Ok, on va le mettre. Pour mettre celui-là, augmente vos PV max. Trop bien. Voilà. Il reste 10 points de compétence. Augmente les dégâts de ki maximum infligés aux ennemis proches après avoir réussi un assassinat, ce qui facilite leur tétanie, c'est stylé. Sprint assassin. Appuyez sur triangle pour bondir sur un ennemi non alerté et l'assassiner même pendant un sprint. Ah, c'est feu ça. C'est trop bien. Atténue le bruit des déplacements. Augmente le nombre de pilules médicinales. Ah, on va passer à 9, allez. Comme ça on a tout débloqué ici, trop bien. On va passer à 8 pilules médicinales, non 9 même. 9 pilules médicinales, c'est trop bien. Shuriken chargé. Fabrication d'objets. Bon, on n'a plus qu'un seul point de compétence, donc on attendra la prochaine. Merci pour votre visite. Allez, Ito. Il doit être là. Waouh. Tu penses m'avoir eu, n'est-ce pas? Le voilà. Kashitaro Ito. Qui
moitié acculé. Ne te fais pas d'illusions. Je pense que je vais déjà m'occuper de ces... larbins. Tiens, on va utiliser l'épée pour changer un peu. Oh, les dégâts. C'est lourd, mais... Wow! C'était quoi cette attaque de ouf? Il me balance du poison. Oh, il est monté sur le truc. Oh, c'est trop stylé. Il faut que je change d'arme parce que là c'est trop dangereux. Je peux pas me battre comme ça. Allez, je reprends mon. C'est bon. Allez. Quand même plus facile avec mon katana. Il est beau son combat parce qu'il fait plein d'effets lui. Si tu savais qu'on est tous des traîtres. Ah, je suis empoisonné. On joue tous un rôle dans ce monde. Je me fais défoncer. Des attaques lui avec son poison, sa paralysie, c'est un truc de ouf. Malheureusement, il va mourir. Yeah. Oh, il esquive bien. Wouhou. En fait, fausse route. Ah là là. C'est son intelligence qui a causé sa perte. Il prenait ceux qui l'entouraient pour des imbéciles. Voilà pourquoi il ne pouvait supporter de servir Kondo, qui est pourtant si dévoué au shogunat. J'ai eu de la chance de t'avoir à mes côtés. Grâce à toi, nous avons éradiqué la gangrène du Shinsengumi. Et nous, on a vengé Ryoma. J'ignore qui tu es, mais tu peux arrêter de faire semblant d'être des nôtres. Oh, il savait. Quand l'as-tu découvert ? J'ai vu assez de complots et de machinations dans ma vie. J'avais un pressentiment. À la prochaine. Ah ouais, c'est ouf, il savait qu'on était... qu'on faisait semblant, qu'on n'était pas du Shinsengumi. Ah ouais, c'est stylé. Oh, on a obtenu un nouveau katana. J'espère qu'il est mieux que celui que j'ai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas changé de katana. Parler du Shinsengumi à Katsura. Et on est passé niveau 43. Non, malheureusement, le katana qu'on vient de recevoir n'est pas meilleur que celui que j'ai, le Mikumo Mitsutada à 335. On est de retour à Sanjo parmi les nôtres. Et on va devoir parler du... Shinsengumi à Katsura. Beau travail.
Je savais que tu reviendrais indemne. Venons-en au fait. Qui a dirigé l'attaque contre Ryoma à l'auberge Terada? Alors, on peut dire Ito, mais son compte a été réglé. Un dissident du Shinsengumi. Bon, on va dire la vérité. Hein. Ito. L'incident d'Abura no Koji. Tu y étais aussi, je suppose. Bien vu, bien vu. J'ai entendu dire qu'Ito voulait se désolidariser du Shinsengumi. Attaquer Ryoma faisait sûrement partie de son plan. C'est habile de vouloir ternir la réputation du groupe pour pouvoir justifier son souhait d'indépendance. Nous avons enfin levé le voile sur cette attaque. Tout cela grâce à toi, bien sûr. Nous devons en informer Seigo. Oh, mais tu es de retour. Tu tombes à pic, d'ailleurs. Il pourrait grandement nous aider dans nos efforts. D'autant que nous sommes dans une impasse. Pourquoi ne pas nous appuyer sur lui ? Le jour du jugement est imminent. Nous avons rallié le clan Satsuma et avons survécu de justesse. Cette alliance peut-elle vraiment durer? Elle n'est bâtie que sur du sable. Si nous voulons venger la mort de Kusaka, il faut agir maintenant. Genzue est mort. Shinsaku malade, et Ryoma disparu. Franchement, toute aide sera bonne à prendre. J'ai besoin de toi, à nos côtés. À vrai dire, ce n'est pas forcément nécessaire. Oh. Le retour de Ryoma. Tiens, tiens, regardez ça. Et moi qui te croyais mort. Aurais-tu échappé au Shinigami? C'est surtout ta présence ici qui est surprenante. J'étais persuadé que tu me précéderais en enfer. Navré de vous avoir causé des soucis. Tout va bien. Orio m'a retapé. Bien. Et sans plus attendre, j'ai la solution à tous vos problèmes. Avec mon plan, nous n'aurons pas à combattre. Vraiment. Écoute. Même si j'ai confiance. Disons que voir la mort en face peut nourrir l'inspiration. Une lettre? Ne perdons pas de temps. Le seigneur Yoshinobu doit voir cette lettre. Je permettrai à cette nation d'entrer dans une ère nouvelle. Mais certains devront tirer leur révérence. Yoshinobu Tokugawa, le dernier shogun. Un titre idéal pour un livre d'histoire. Vous ne croyez pas? Ou les Occidentaux qui passent à l'attaque. Aller au château de Nijo avec Ryoma. Waouh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je me demande si c'est pas le titre d'un livre d'ailleurs. Allons-y. Le dernier shogun. Je dois dire que je suis heureux de marcher à nouveau à tes côtés, camarade. Mais moi aussi, tu m'as manqué. Bien. Allons au château de Nijo. Si on prend mes propositions au sérieux, il n'y aura plus de factions en guerre. Imagine! Tout le monde travaillerait ensemble pour le bien de la nation. Qu'est-ce qu'il a en tête? Shogunat ou pas, nous partageons tous le désir de rendre le Japon meilleur. Et c'est pour cela que nous devons mettre nos différends de côté et cesser le bain de sang. Je suis bien d'accord. Alors, avec toi. J'ai dû pas mal réfléchir. Mais comme il y a 8 propositions et qu'elles ont été conçues sur un bateau, je les appelle les 8 propositions du bateau. C'est quoi ce délire? Le château de Nijo, c'est là où vit le shogun? Il n'y a pas de garde. Ça cache quelque chose. Mieux vaut être prêt à tout une fois à l'intérieur. On y va? Putain, c'est les anxiétés. J'ai un très mauvais pressentiment, pas de temps à perdre. Très bien, c'est parti. Ça me dit pas qu'ils ont tué le shogun? Allez au château de Nijo pour informer Yoshinobu Tokugawa, donc le shogun, du plan de restauration du règne impérial
imaginé par Ryoma. Mais Ryoma, en fait, il est trop intelligent. On croyait au début, c'était un petit rigolo et tout, mais à chaque fois, il a eu les bonnes idées au bon moment. Donc, on va faire la mission avec Ryoma et Hajime Saito. Augmente les dégâts infligés aux ennemis paniqués. C'est parti. Je suis prêt à me battre. Ce sera fini en un rien de temps. La mission s'appelle le dernier shogun. Oh mon dieu. Le shogun est peut-être en danger. Ouais. Vite. C'est chaud, c'est chaud. Les Britanniques. Vous avez apparemment. Vous avez un étranger qui plus est. Remettre de puissance intense. Ouais, il pépille comme un rossignol. Waouh. Bam, bam. Mais j'y crois pas que c'est les Occidentaux qui ont fomenté l'assassinat du shogun. J'espère qu'il va s'en tirer. Et voilà. Fais plus attention. Oh. Ouais, t'as raison. Hop là, je vais repasser sur le katana. On va tuer tous les gens qui sont là. Bam. Magnifique. J'aurais pu l'assassiner peut-être. Ouh. Oh yeah. La tête elle a volé. Ah il est là-bas. C'est bon. Oh, un gros balèze. Je pense que je peux faire le tour pour lui mettre un petit cut là déjà, pour le bien entamer. Voilà. Là 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 là. Bam. Voilà, toi t'es cuit. Oh. Double tentative d'assassinat. Oh. J'étais pas prêt. Il faut que je change de style. Oui, aïe, oui. Un ennemi redoutable de vaincu. Attention. Bonjour. Ils ont tué tous les soldats du shogun. J'y crois pas. Pourtant ils sont forts les gardes du shogun. Bam. Allez go go go. Une bannière ici.
Chill. Enfin, le one shot au flingue là, c'est stylé. Je crois que j'ai enfin compris comment utiliser Bourrasque en fait, de changer de style pendant une attaque et ça déclenche une espèce de petite attaque tournoyante. Je l'avais déjà utilisé mais là je crois vraiment que j'ai compris. Je crois qu'on a fait le tour. Allez venez. Oh come on. Come on English. Ouh il est chaud. Wow. Oh, qui nous attaque? Y'a lui. Hey, t'as pas l'air très en forme. Allez, go. Yeah. Flambé de qui? Bam. Deuxième ennemi redoutable. Je vais couper la flambée de qui. Ok. Ah, le poison. Normalement j'ai des pilules anti-poison mais bon. Tac. Oh bah comment ça il l'a pas assassiné? En sprintant, juste trop bien. Mince. Oh. Tac. Wouhou. Allez. Je crois que c'est le dernier soldat redoutable lui. Wouah. J'arrive comme un ouf dans son dos. Il a pris tellement cher. Il a pris tellement cher le pauvre. Ok. Prenez alors, votre temps. Rien ne presse. Rien de spécial à acheter ni à améliorer. J'ai pas assez de. Bien. De matériaux. Je pense que je vais changer par contre de deuxième arme et je vais prendre. J'ai bien envie de jouer avec un New Way Dao. Ouais, ça c'est stylé. J'aime bien aussi ce style d'arme. Alors le Shogun il est où? Oh! Il y a donc des rats dans la place. Il est à terre. Ernest Sato. En même temps que du Shogun. Wow. Vous ne pouviez vraiment pas mieux tomber. J'ai besoin d'aide. T'as pas honte? T'as attaqué le Shogun? Oui, alors qu'il y a un traité d'amitié et de paix. Le mec il a un jetpack. Tu te fous de moi? Bah alors on rigole moins. Hop là, je prends le nouveau Idaho. Ce pays n'a plus besoin d'un Shogun. C'est pas à toi de décider, c'est pas ton pays. Non mais je rêve. Prends les soins. Wow. Désolé d'être un poids. Ok, c'est reparti. Waouh. Abandonné à lui-même, le Japon perdra forcément. Je fais tout cela pour le protéger. Mais je rêve. Il se prend. C'est pas toi. C'est mon devoir. Et je ne te laisserai pas faire ce que tu veux.
Il a pris une potion, ce petit coquin. Fais plus attention. Wow. C'est une dinguerie. Vous ne comprenez pas la véritable valeur de ce pays. C'est un malade. Ce gars a vraiment existé? Je pense que oui. Allez, allez. Boum. Et voilà. Oh, il avait un style particulier, hein. Tu assassinerais le Shogun? Pourquoi? Espèce de sale. Lâche-moi. Vous ne comprenez donc pas que rien ne va? Le Shogun n'est rien de plus qu'une armée, mais il contrôle le gouvernement. Cette nation doit retrouver le droit chemin. Et qui mieux que moi pour la guider? Le seul qui comprenne vraiment le Japon. Donc, voilà ton objectif. Jetez-le au cachot. Ce n'est pas le moment de provoquer les Britanniques. Les grandes puissances s'imposeront. L'âme de cette terre sera perdue, croyez-moi. Quel drôle de gaillard. Non. Je crains qu'il ait entièrement raison. Un regard extérieur est parfois plus clairvoyant que son propre regard. Tu crois à ces sornettes? Voudriez-vous, s'il vous plaît, jeter un œil à ceci? C'est la solution à tous nos problèmes. Du moins, je l'espère. Le Shogun adopte le plan de Ryoma, avant que les clans Satsuma et Choshu ne frappent, mettant fin à 3 siècles de règne des Tokugawa. D'anciens conseillers et les clans les plus puissants se réunissent à la cour impériale pour constituer un nouveau gouvernement. Comment ça ? Mais comment osez-vous? Vous décidez de céder formellement le pouvoir, pour ensuite donner l'assaut? C'est insensé. On veut clairement m'incriminer à tort, pour dresser contre moi la nouvelle administration. C'est de la calomnie pure et simple! Vous nous croyez donc derrière tout ça? Veuillez m'excuser. Seigneur, ce n'est pas sûr ici. Nous devons partir, et vite. Rien ne vous oblige à fuir, j'imagine. J'ai l'impression qu'ils ne changeront pas d'avis. Ryoma, éclaire-moi donc. Si le Shogun demeure dans l'administration, comment peut-on parler de nouveau départ? C'est sûr, les Tokugawa reprendront à nouveau le contrôle. Puis, ils nous écraseront tous. Il est maintenant l'heure de faire parler les armes à feu!
suis fou. Peu importe qui a le contrôle. Il faut trouver une solution qui nous arrange tous. Je t'écoute. Détaille-moi ton plan. Et... tu sais... comment t'expliquer? Je... J'en étais sûr. Écoute, tâchons d'y réfléchir ensemble. On se connaît bien, après tout. Merci. Ce serait avec grand plaisir. À ce rythme, il n'y aura aucun vainqueur. J'avais peur que Yoshinobu soit tué. On est en 1867 maintenant. Et on est passé au niveau 44. Hey, petit Akita. Oh, j'ai 55 000 pièces, donc je peux bien l'envoyer en pèlerinage avec du pain. Fais-toi plaisir. Donc si je comprends bien... on va regarder dans l'encyclopédie s'il n'y a pas une... s'il n'y a pas une info événement. Donc une lutte, donc l'incident d'Abura no Koji, donc ça, une lutte intestine qui a affecté le Shinsengumi à Abura no Koji, déterminé à tourner le dos au capitaine Izami Kondo, Kashitaro Ito a assemblé un groupe de fidèles afin de créer un clan autonome. En découvrant son intention, Kondo a ordonné à Hajime Saito d'éliminer la faction d'Ito. Et ensuite, du coup, la restauration du règne impérial. Un événement au cours duquel le 15e shogun, Yoshinobu Tokugawa, du coup, a cédé... Ah, il a cédé son autorité à la cour impériale. Ok, donc, en fait, la proposition de Ryoma, c'était ça. C'était en gros, attention, les Anglais, ils ont pas tort. Si on reste comme ça, l'Occident, ils vont... Enfin, ils vont vraiment venir nous écraser. Donc, il va falloir changer tout ça. Et aussi stopper toutes ces guerres internes, etc. Donc... en gros, je te propose de céder le pouvoir. Mais ça, c'est fou que le 15e shogun, il ait accepté ça, tu vois. Il a cédé son pouvoir à la cour impériale. Sa position étant devenue précaire à la suite de la formation de l'alliance Satsuma Chosu, Yoshinobu accepta la proposition de Ryoma Sakamoto de rétablir le pouvoir de l'empereur afin d'écarter tout risque de conflit militaire avec les clans Satsuma et Chosu. D'accord. Mais je pensais qu'en fait, le shogun, c'était l'équivalent de l'empereur, mais pas réellement, en fait. Pas réellement. Donc du coup, il a cédé le pouvoir à l'empereur pour éviter tout risque de conflit contre les clans Satsuma et Chosu qui s'étaient alliés. En faisant cela, il espérait décrocher un poste au sein du nouveau gouvernement. D'accord. Donc en gros, il se dit, je me retire, je suis plus le shogun, mais je veux, voilà, je veux quand même un poste à la cour impériale. Donc voilà, c'est très politique en fait. Et c'est un peu ce qu'on a vu là. Ils sont pas contents en fait, le clan Satsuma et Chosu, parce que bah, Yoshinobu est toujours au sein de... on va dire, de ceux qui régissent. C'est plus lui, on va dire, le shogun, mais il est quand même là au sein de la cour impériale, et voilà, et du coup, il va pouvoir un peu faire ses trucs à sa sauce. Donc ça, ça leur convient pas trop. J'aurais besoin de ton aide. Je crois que j'ai mis Ryoma en colère. Ah, il rêve complètement. S'il pense que l'Alliance laissera le seigneur Yoshinobu intégrer la nouvelle administration... Tokugawa doit en faire partie, il serait judicieux d'écarter Tokugawa, je ne sais pas quel est le bon choix. Bah, franchement, je sais pas. Jusque-là, je l'ai jamais trouvé mauvais comme shogun, en fait, c'est ça que... Je comprends ce que tu ressens, mais tu es trop idéaliste. Si le seigneur Yoshinobu intègre la nouvelle administration, la restauration du règne impérial sera insignifiante. Quoi qu'il en soit, Ryoma a joué un rôle majeur dans notre marche en avant. Ce n'est pas le moment de se brouiller. Ça, c'est sûr. Je vais poursuivre ma collaboration avec les Satsuma. Alors je veux que tu gardes un œil sur Ryoma. Je viens de croiser Orio près de l'auberge Omi. Et je lui ai dit la même chose qu'à toi. J'ai besoin qu'Orio et toi fassiez changer Ryoma d'avis. D'accord ? Aller à l'auberge Omi.
Orio. Salut. Salut. Oh, bonjour. Je suppose que tu rends visite à Ryoma. Quand j'ai laissé Ryoma à l'auberge au nid, je lui ai dit de ne pas être impulsif, mais... il m'a répondu avoir conçu un plan extraordinaire. Va savoir ce qu'il a en tête. Nous allons devoir lui faire confiance. En effet, il ne nous écouterait pas de toute façon. Je continuerai juste à le surveiller. Oh, je sais! Et si nous lui apportions quelque chose? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Tu m'aides à trouver? Mais bien sûr! Alors allons-y. Quels sont ses plats préférés déjà? Nous pouvons partir, maintenant que nous avons notre cadeau. Ryoma est sûrement encore à l'auberge au mi. Oh là. Est-ce que ça vient de l'auberge au mi? J'appelle des renforts. Va voir Ryoma. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ça va être avec Kaichukatsu et Yamaoka. On y va tout de suite. J'ai peur. C'est le... l'incident de l'auberge Omi, 1867. Waouh! C'est qui ça? C'est les... encore les... je rêve! Encore les occidentaux! Ils vont jamais nous lancer tranquille! Putain, c'est un truc de fou! Elle est vraiment stylée cette arme quand même. Waouh! C'est quoi ce délire? Hop! On va passer par là. On va monter à l'étage, mais on peut pas. Venez avec moi. Waouh! Ces fauteurs de troubles vont répondre de leur crime. Oh. Je mens. Il me fait délirer lui à se battre avec son... Je peux continuer. Ah, c'est trop rigolo. Je me suis jamais battu avec lui, je crois. A l'aide. Il a le style Okushinito. Bam. Le feu dans les yeux. Ok. Ah, c'est pas fini. Ouais, je te renvoie tes shurikens, tu prends pour qui pour lancer les shurikens? Ça doit être lui l'adversaire redoutable, je pense. Yes, on a récupéré la clé d'entrepôt. Oui, monsieur. Hop. C'est marrant de jouer avec un vieux papier, avec un chapeau et tout, mais il est trop fort. Allez, je repasse avec mon perso. Je me sens plus à l'aise.
pour le Japon. Comment ça? C'est qui là, ce clan encore? C'est des trahisons là. Ça fait stylé là. Il y a deux boss en même temps. C'est un bordel. Merci d'avoir enflammé ma lame. Waouh, lève-toi. Lève-toi. Oh purée. J'ai pas eu le temps de prendre mon soin. Viens, viens vite. Merci. Allez, viens. Waouh. C'est pas vrai. Oh là là, c'est chaud. Heureusement qu'on a plein de soins maintenant. Allez, on va le terminer là. Plutôt. Oh. Allez, je te finis. Ah, il y a trois. Attends, il y a. Ouais, il y a trois boss en fait. Ah non, c'est des ennemis normaux. Je sais qu'ils ont appelé des renforts. Allez, je te tue dans le poulailler, toi. Viens là. Ok. Il reste plus que Okubo. Oh. Flambé de qui? C'est prêt. C'est parti. Ah la vache, il tape super fort. Mais moi aussi je tape fort. Allez. Oui. Wow. Incroyable. Toi, continue. Ok. Allez go. Wow, c'était ouf. Ryoma, j'arrive, tiens-moi. Il est où? Il est où mon copain? Par là. Wow. Putain, j'espère qu'il est pas mort. Oh mon Dieu, mon Dieu. Non. Pas ça. Chercher quelque chose. Il faut vraiment que tu sauves notre pays. Tu dois survivre. Non. Il avait une mauvaise influence, mais je me suis occupé de lui. On l'affronte une nouvelle fois, mais là, il me fout le seum. Comment oses-tu? Ah, elle est forte. Waouh, elle a enlevé la moitié de ma vie, d'accord. Allez, on va être fort sur les comptes là. Pas comme ça. Moi aussi je vais. Hop là. Je vais paralyser mon épée là. Aïe. Waouh. Tu me hais peut-être.
On n'a pas pris le même chemin. Même quand je lui mets un critique, elle me repousse un peu. Ah, ça fait trop mal. Ça, cette attaque, ça m'enlève la moitié de ma vie. Wow. J'ai voulu l'esquiver. Ah, le petit pistolet, tu attendais pas à celle-là. Hein. C'est l'arme de tes amis. Oh, on se rend compte, putain, j'arrive même plus. Aïe. Putain, elle a pris un soin en plus. Je rêve. Allez, allez. Aïe 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 aïe. J'enflamme ma lame. Attends, ça y est, elle a sorti son grappin elle. Wow, putain, le combat il est dur. J'ai plus qu'un seul soin. Un soin normal, après il me reste 300. Ça doit le faire. Allez allez. Allez, on la termine. Oh yes. La guerre continuera malgré toi. Cette nation plongera dans le chaos. Pourquoi résistes-tu? C'est le monde dont nous avons toujours rêvé. Enfin devenu réalité. Ryoma. Shintaro est blessé. Il lui faut un médecin. J'ai enfin pu la voir. La forme que doit prendre ce pays. Ne parle pas. Je reviens vite. Nous devons rassembler ceux qui ont un talent, qu'importe leur statut social. Fermiers, artisans, les décisions doivent être prises par un parlement. Un forum où l'on échangerait des idées. Une aube nouvelle se lève. Je peux la voir si clairement. Je te confie le reste, car... Bataille ne paraît pas nécessaire. Nous devons simplement leur montrer la différence de puissance. C'est vrai, nos hommes sont plus nombreux que les leurs. Au début des combats, ils verront sûrement quelle erreur ils ont faite. En effet, j'ai hâte de discuter des conditions de la paix. Si ça traîne trop, nous risquons de succomber aux puissances étrangères. Je vous ai fait libérer. Montrez-moi de la gratitude. À cause de vous, les négociations ont pris un fort mauvais tour. Bien. En ce qui concerne les armes que vous vendez, nous allons toutes les prendre. Mmh.
l'incident de l'auberge Omi. Vous avez gagné le titre assistant du maître, on est en 1868. Vous avez appris une technique secrète et vous avez amélioré votre compétence martiale. Vous avez passé maître en Mumio, enfin, le niveau le plus élevé. Assignez un emplacement de technique secrète dans le menu style de combat en appuyant sur R1 et R1. Si on regarde l'encyclopédie, l'incident de l'auberge Omi, un incident au cours duquel Ryoma Sakamoto et Shintaro Nakaoka ont été victimes d'une embuscade à l'auberge. L'attaque a été organisée par le samouraï à la griffe de démon et le service de renseignement britannique afin d'empêcher toute réconciliation entre la nouvelle administration et le shogunat évincé. Nakaoka et Sakamoto ont tous les deux péri lors de cette bataille. Je suis dégoûté parce que Ryoma c'était notre bro depuis le début de l'aventure, le tout premier épisode. C'était le samouraï excentrique, c'était notre ami, notre partenaire, notre vrai partenaire comme il dit lors de ses derniers mots. Et il est mort à cause de tous ses complots alors que en fait lui depuis le début tout ce qu'il voulait c'était un Japon libre, un Japon de droit, honnête, arrêter les combats. C'est lui qui avait les bonnes idées, c'est lui qui avait le courage. Et je suis vraiment triste de l'avoir perdu. Il nous a légué en mourant sa vision du Japon et à travers lui on va devoir la faire naître. En tout cas on fera tout pour. J'ai appris pour Ryoma. Cet homme avait une telle assurance. Il était impossible de ne pas baisser sa garde une fois qu'il était lancé. C'était plutôt bien cela dit. Il rendait les choses plus positives. Voilà pourquoi j'avais l'espoir qu'il réconcilie les deux camps dans cette guerre. Mais tout est tombé à l'eau. Le monde s'en retrouve changé. Les gens veulent du sang. Un affrontement est inévitable. La samouraï à la griffe de démon a donc attaqué Ryoma. Mais qui est cette samouraï d'ailleurs ? Ma partenaire, nous étions un binôme de l'âme secrète. Ouais. Un duo de guerriers formés pour renverser le shogunat. Pas étonnant qu'elle soit si déterminée à réduire ce pays en cendres. Ta partenaire et toi êtes très différents, n'est-ce pas ? C'est sûrement dû à l'influence de Ryoma. Ou alors à la mienne. Quoi qu'il en soit, je me rends compte que vous êtes unis par un lien solide. Mais il va falloir que tu tranches ce lien un jour, toi et personne d'autre. L'affrontement entre le shogunat et les deux clans a déjà commencé. La samouraï à la griffe de démon va bientôt se montrer. Nous devons donc être prêts à tout. Nous faisons aussi cela pour Ryoma. Tu sais ce qu'il te reste à faire. À la prochaine. Je vais passer chez le forgeron, histoire d'améliorer un petit peu notre équipement. Que vous faut-il ? Alors on va améliorer notre casque. Et voilà, le reste on n'a pas suffisamment de... Que vous faut-il ? D'équipement, après bandeau de guerrier, kimono de sabreur. Ok, c'est un peu mieux mais bon c'est pas non plus incroyable. À bientôt ! Je vais rester comme ça. On en est à un moment où il va falloir choisir apparemment entre soit rejoindre l'armée révolutionnaire, donc anti-shogunat, soit l'armée shogunale, donc pour le shogunat. Donc je pense que là on va continuer quand même sur notre lancée où on en est, parce que si on rechange encore une fois de camp, ça risque d'être compliqué. Donc là on va aller au domaine du clan Satsuma à Kyoto, rejoindre l'armée révolutionnaire. Salut! Ryoma et même Nakaoka, parti. Je n'aurais pas dû te laisser y aller seul. Nous aurions dû y aller ensemble. S'ils n'avaient pas convaincu les clans Satsuma et Choshu d'unir leurs forces, nous ne serions pas allés aussi loin. Mais je crains que les Satsuma n'aient montré que de l'ingratitude.
Portons leur fardeau et forgeons un nouveau Japon. C'est la moindre des choses. La mort de Ryoma m'a bouleversé. J'aurais bien aimé mieux le connaître, pour discuter avec lui sans aucune retenue. À l'heure actuelle, le seul moyen d'honorer Ryoma pour ses nobles actes, c'est de tout mettre en œuvre pour offrir un meilleur avenir à notre nation. Tu connais déjà la situation, je suppose. Il faut passer à l'action. Le combat est inévitable. Le Japon ne changera pas si les Tokugawa contrôlent la nouvelle administration. Nos buts ne sont pas forcément les mêmes. Mais vu les effectifs du Shinsengumi, nous avons besoin d'autant d'alliés que possible. Je t'en prie, combats les Tokugawa avec nous. Allez, je combattrai à vos côtés. Merci. Je me souviendrai de ton geste. Tu auras un rôle majeur dans notre stratégie. Je vais te parler un peu du plan. Pour triompher d'un ennemi en surnombre, il faut le démoraliser en battant sa troupe principale. Nous voulons que tu prennes le principal camp ennemi, déstabilise la clé de voûte de leur armée, et ainsi, l'artillerie britannique pourra finir le travail. Nous allons transformer notre pays, tous ensemble. Bien, en avant! Brunet. Mon nom est Jules Brunet. C'est un honneur de combattre parmi des samouraïs si renommés. Nous attendions votre venue. Je m'appelle Kondo, du Shinsengumi. Mes soldats du Denshutai sont bien entraînés et sont prêts à combattre. L'abolition du shogunat. Maintenant, c'est nous les royalistes. Et les Tokugawa sont les rebelles. Nous avons réussi. Oui, nos efforts sont récompensés. Nous avons la justice de notre côté. Notre ennemi n'est rien de plus qu'une bande d'agitateurs. Aux armes! Oui. Révolutionnaire, conduite par Choshu et Satsuma, prit position contre les forces du shogunat. Ainsi, le rideau se leva sur la guerre de Boshin. Waouh! Ah ouais, donc là, c'est vraiment une grosse guerre dans l'histoire du Japon, j'imagine. La guerre de Boshin. La bataille de Toba Fushimi. Sans Ryoma, le conflit entre le shogunat et la nouvelle administration est maintenant inévitable. Prenez le parti de l'armée révolutionnaire, mettez rapidement un terme à la bataille et arrêtez votre lame jumelle. Ce sera avec Katsura, bien sûr, et Saigo. C'est fou hein, comment les complots ils ont évolué dans toute cette aventure. On était avec les ennemis, après avec les amis sont devenus les ennemis, et puis vice-versa. C'est complètement dingue. Mais c'est vraiment ça, en fait, une machination un peu politique. Et en fait, si tu regardes dans tous les grands empires, il s'est toujours passé la même chose. Il y en a toujours qui voulaient prendre le pouvoir, après qu'ils l'ont pris, après qu'ils l'ont perdu, après qu'ils ont changé de camp. Et c'est fou que dans chaque coin du monde, ça s'est toujours passé de la même manière à chaque fois, avec chacun, bien sûr, leur propre truc et tout. Mais c'est presque triste, en fait. C'est désolant, parce qu'il y en a toujours un, finalement, qui va voir prendre le pouvoir sur l'autre. Et que ce soit l'Occident, sur l'Orient, et puis même au sein du même empire, c'est des clans qui se créent, c'est incroyable en vrai. C'est fou, mais je suis super content de découvrir cette histoire, bien qu'elle soit assez compliquée, je trouve, à suivre. Surtout qu'en plus, nous, on fait des choix à l'intérieur de tout ça et tout ça. Mais non, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir la série qui s'appelle Shogun. Je pense que, alors, je sais pas si ça va traiter exactement de la même période. Mais bon, j'imagine que ce sera pareil, des complots, des conflits, etc. au sein d'une nation et entre nations. Allez, on y va. Il est temps de prendre part
à la guerre. Waouh, la bataille de Toba Fushimi en 1868. Oh mon dieu! Ah ouais, c'est un truc de ouf là. Allez, c'est parti. Alors on a un nouveau style de combat, le Gikei. Regardez comment Shyamalan, c'est trop stylé. Wow. Allez. Ça fait plaisir d'être dedans. C'est une mission, il fait bien jour là. Il veut pas mourir lui, hein. Vraiment pas. Ok, ouh, la tête est tombée. Alors, ouais, il y a vraiment beaucoup de monde en fait, faut aller. C'est pas mon cheval ça en plus. Ah, mais c'est vraiment la guerre de ouf là. Battez les adversaires redoutables. Il y en a 5, mais alors je sais pas, ils peuvent être partout en fait. Ils peuvent être vraiment partout. C'est vraiment stylé. On va laisser tous se battre. Moi je cherche les adversaires redoutables particulièrement. Wow. Shinpachi Nagakura, il est où? Il est où le boss? Allez, je sais pas, on va se battre, c'est pas grave, de toute façon il y a des soldats partout. Ah, il est là. Désolé, Shinpachi, tu vas mourir. Hajime Saito. Chat porte-bonheur. Ça doit être eux les ennemis redoutables, en vérité. Wow. Il est tombé. C'est bon, ah, c'est vraiment la guerre là. Ok, donc c'était eux les deux ennemis redoutables déjà. Là c'est vraiment stylé ici hein. Allez, je vais appeler mon cheval là. Hop les. Ah, c'est le bordel hein. Ah, y'a une bannière ici. Hop, on va la lever. Aïe. Lève la bannière, dépêche-toi. Oh. Ok, c'est bon. Ils sont où les gars? Oh, attention. Canon, canon, canon. Oh, ils ont écroulé la tour. C'est un truc de ouf. Vous allez voir vous là.
c'est je rêve. Oh. Tu es mort. Ils sont en train de se battre là, attends, tiens, regarde. Et voilà, c'est réglé. On retourne leurs armes à notre avantage. Waouh. Oh mon dieu. Je peux défoncer. Allez, c'est chaud là. Attends, hop 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 hop. Change d'arme, change d'arme. Non. Hop là. Tiens, viens là toi. Bam. Bam. C'est quoi ce délire? Ok, lui il est mort. On va attendre que ce soit bien rouge en fait. Voilà, plus de canon les gars, plus de canon. Là aussi. Oh! Ah, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Faut aussi je m'en voulais. Ça c'est bon. Allez go 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 go. Allez viens là toi derrière ton canon là. Comment on se tue. Bam. Wow. Ça c'est chaud les dégâts là. C'est bon. Allez prends un petit soin et on continue d'avancer. Ah, il nous bloque le passage chez Kita. Oh, Kita. Tu m'offres la possibilité de t'affronter en train. Nous vous arrêterons. Même si nous devons y laisser la vie. Il est trop. Voyez la détermination de la garde mortelle. Waouh, ça, c'était fort, c'était fort. Là, bon. Allez, flambée de pied. Ah ouais, tu brûles mon gars. Ah, d'imprudence. Allez, je reprends mon katana. Désolé, Kita. Oh. Allez, viens là. Je ferai mieux la prochaine fois. Bam. Eh oui. Allez, va. Kondo t'attend. Et il ne cède pas facilement. Écoute, il est sur mon chemin, il va devoir mourir aussi. Bonjour monsieur. Prenez votre temps. Alors, qu'est-ce que tu me vends? En ça, ça j'en ai déjà. Ça j'en ai déjà aussi. Amélioré. Ok. D'accord. Allez. Écoute, on est bon. Bien. Merci beaucoup. Merci pour votre visite. Jules Brunet. Ah, c'était vraiment une grosse bataille hein, dans l'histoire du Japon, ça. Alerte ! Qui êtes-vous ? Qui nourrit les flammes de la guerre.
Wow. Kondo et Brunet en même temps. Et bah ça va pas être de la tarte. Tout à fait. Captain America, comme j'aime l'appeler. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas affronté. Et c'est ici que tout va se terminer. Là, je lui renvoie ses tirs de 15. Allez, allez. Viens, on s'écarte un petit peu. On prend. Hop. Avec l'aide de Kondo, j'ai enfin créé l'armée de mes rêves. Je ne vous laisserai pas la détruire. Ensemble, Kondo. D'imprudence. Il est ouf le combat là. Allez Brunet, tu vas mourir. Attention, sois prudent. Oh, je me suis baissé au bon moment. Et voilà. Au prochain. Kondo. Il fait des attaques lourdes. Waouh. On a de la puissance. Ah, vous l'avez déjà bien entamé, merci les gars. Attention, sois prudent. Oh, il est lourd. Et voilà, maîtrise de l'arme niveau 4. Comme un samouraï, je meurs comme un samouraï. Yeah. Je te tranche la tête. Comme un samouraï, il a dit. Qui aurait pensé qu'ils iraient si loin? La lame secrète. Renomoto a fait demi-tour. Vite, vous devez partir pour Edo. Jamais! Si je m'enfuis, c'en est fini du shogunat. Mais c'est exactement ce qu'ils espèrent tous. Si vous succombez ici et maintenant, la guerre engloutira toute la nation. Seigneur Katamori, je vous en prie. Tu brûles du désir de te venger. Laisse-nous éteindre ces flammes. C'est loin d'être fini. Le commandant ennemi a fui. C'est le moment. Les cieux combattent à nos côtés. Les troupes du Shogun vont toutes battre en retraite. Nous ne devons pas relâcher nos efforts. Feu! En arrière!
Replie-toi vite. Occupe-toi de Brunet. Je resterai à tes côtés. L'âge du sabre est terminé. Mais moi, je vis par le sabre. Ou pas du tout. C'est la fin pour nous autres samouraïs. Toshi, toi et les autres, vous devez devenir les samouraïs d'un nouvel âge. Allez, partez! Seigneur Brunet. Exploiter sa victoire, l'armée révolutionnaire se mit en marche vers Edo. Abattus par leur défaite à Toba Fushimi, les survivants de l'armée shogunale fuient vers Edo dans le sillage de leur commandant. Stimulés par sa victoire, l'armée révolutionnaire se dirige vers Edo dans le but d'infliger le coup de grâce à ses ennemis. Kyoto. Parler à Katsura au domaine du clan Satsuma Kyoto. Ah, on est devenu inséparable avec Katsura. Ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on, c'est vrai qu'on le côtoie. Et on est passé niveau 47. Eh ben,